Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo sur les chroniques d'une expérience de mort imminente. Alors, comme je l'ai dit ultérieurement, j'ai choisi un autre chemin que l'aspect traditionnel des témoignages sur les expériences de mort imminente. Ça reprend un petit peu le cours de la page Facebook que vous suivez, dans le sens que beaucoup se demandent, tiens, est-ce que tout ce qui est posté a un lien, un attrait avec ce genre de phénomène que sont les expériences de mort imminente? Et je me suis dit, de toute façon, autant suivre la théorie que j'explique depuis pas mal d'années, où les bases des témoignages des expérienceurs sont régulièrement un tunnel, une lumière ou encore une entité reconnaissable, un parent décédé, une entité religieuse. Donc c'est une holographie évidemment mentale qui s'instaure et qui passe par un lien très particulier et qui arrive à se faire reconnaître au niveau d'un reste de prise de conscience. Avant de traiter ce sujet, on doit tenir compte évidemment des événements terre à terre. Je veux dire par là bien sûr que lors de l'opération ou encore dans différents systèmes que le cerveau émet, donc je veux dire par là, s'il y a un éclairage relativement puissant sur une table d'opération, il y a quand même un marquage oculaire malgré que les paupières sont fermées. On connaît diverses techniques actuelles où on peut faire une relaxation avec un travail de lumière et les paupières sont fermées et pourtant il y a donc les faisceaux de différentes couleurs qui agissent sur le cerveau. Donc il y a un travail aussi de recherche que j'ai breveté moi-même sur cette technique de recherche au niveau donc de l'apport des lumières. Donc je parle de lumière réelle, authentique évidemment. Et puis on a aussi notre cerveau qui peut produire des effets de lumière et que, évidemment, notre pupille peut percevoir à l'intérieur. Donc ce sont des flashs lumineux. C'est pratiquement parallèle, si je peux dire, à quelqu'un qui a une forte tension. Vous savez, les gens qui ont de la tension parfois ont des petits papillons, des petits flashs de lumière, ou parfois même une tache blanche qui s'instaure. On est presque dans ce phénomène-là, si je peux dire. Parce qu'il faut quand même savoir qu'au niveau du choc, au niveau du travail qui se fait avant de passer dans l'état de mort imminente, différents systèmes vont se mettre en action au niveau du corps, donc système nerveux, adrénaline, et puis ça dépend évidemment le stade et les circonstances. Moi je me suis porté plutôt sur un chemin parallèle. Je veux dire par là que sur beaucoup de détails, donc beaucoup de témoignages, il y a des détails qui ne sont pas repris en compte parce que parfois ils sont inexplicables ou peut-être qu'on veut simplement se focaliser sur la lumière, le tunnel, etc. Mais on peut remarquer dans un premier point, par exemple, que d'autres disent, voilà, j'étais dans un endroit, je dirais, enchanteresque, un endroit paradisiaque, où il y avait des fleurs, des arbres, il y avait le soleil, il y avait la beauté et tout. C'est de là que je suis parti dans les années 80 dans mes recherches sur le cas du réchauffement climatique. J'ai automatiquement, je vais dire, associé le réchauffement climatique et les expériences de mort imminente. Donc je me suis vraiment déconnecté de ce qu'on m'avait expliqué avant dans les conférences ou les réunions
à titre privé. À cette époque-là, il n'y avait pas encore Internet, il n'y avait pas encore vraiment un traitement sur le sujet. Il était plutôt souvent traité dans un cadre mystérieux que scientifique. Et donc, moi, je me suis porté donc vraiment sur un chemin parallèle et tout en tenant compte à la base l'association planète, réchauffement climatique, donc, et évidemment survie après la mort. Alors, j'ai commencé à chercher, j'ai pris des citations aussi. Par exemple, celle-ci, dans un premier temps, quand la fin du monde arrive, tous les morts vont se relever. Je ne connais qu'un seul principe de mort qui se relève. Bien, c'est dans un état, évidemment, d'expérience de mort imminente où on meurt, c'est clair, et puis on revient à la vie. Il y a aussi, bien sûr, les états catalytiques qui ont été étudiés. Et donc, je me suis donc basé il y a pratiquement une vingtaine d'années sur un phénomène où différentes comment explications qui est de l'ordre en réalité scientifique, mais plutôt transvasées dans un cadre biblique ou encore imagées pour les gens d'époque. Et on se rend compte qu'on parle souvent dans différentes choses de la mort et puis de revivre. Donc de vaincre la mort ou de vaincre l'état dit expérienceur. Faut quand même savoir que les expériences de mort imminente qui sont citées maintenant, ben, il y en a toujours eu dans les époques, sur des champs de bataille, un peu partout, où on retrouve des traces dans des écrits où quelqu'un revient à la vie par miracle. Et j'ai pris le cas, par exemple, de Jésus qui, au moment où il meurt sur la croix, eh bien, il peut aussi tomber dans un état cataleptique ou encore d'expérience de mort imminente où il n'est pas encore connu. Ce phénomène n'est pas encore étudié, évidemment. Mais il faut comprendre une chose. C'est que quand on travaille, quand on croit en quelque chose, donc quand on travaille son mental, un peu comme un sportif, un boxeur, ou encore dans les monastères où on prie, où on est toujours dans une force de croyance, l'esprit est tellement basé sur cela que le corps est un peu secondaire. On a retrouvé aussi des phénomènes comme ça où des gens tombaient dans des états peut-être pas cataleptiques ni au niveau commun ou quoi que ce soit, quoique ne mangeait plus et pourtant vivait toujours, car l'esprit était tellement tenace, on a vu ça aussi dans les camps de concentration, etc. Nous pourrions donc imaginer, et ça fait partie de cette théorie, que Jésus, sur la croix, à un moment donné, tombe dans un état cataleptique, extrêmement proche de la mort, dû à, bien sûr, un état, je dirais, très, très avancé. Et puis, le corps est transporté à un endroit qui, selon l'explication, est relativement serein. Donc, il y a déjà un endroit où il n'y a plus, je dirais, d'interférence au niveau de bruit, au niveau de chaleur, et ainsi de suite. C'est un endroit où il y a une température déjà relativement intéressante pour le corps, ni trop froid, ni trop chaud. Il est donc possible, bien sûr, qu'il y ait eu un réveil. Soit un réveil à l'endroit même ou après le vol du corps. Car on n'explique pas dans la Bible qu'au moment où Jésus réapparaît, on n'explique pas le temps. Je veux dire par là, entre le décrochage de la croix, on l'emmène au tombeau. Soit on le vole, ou soit il y a probablement des phénomènes de synchronicité qui arrivent à ce qu'on peut accéder au corps et le retirer. Et peut-être qu'il y a à ce moment-là un réveil dû à une forme d'NDE et que Jésus est soigné. On ne parle pas du temps. Et donc il y a une possibilité qu'il soit soigné pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et que quelque temps après, il interagit comme vous et moi. Pourquoi? Parce que l'individu en lui-même est extrêmement croyant, donc est vraiment accroché dans sa manière d'interpréter ses informations, surtout dans les paraboles et ainsi de suite. Donc le cerveau est déjà
pas endoctriné, mais déjà focalisé, et c'est un ressourcement beaucoup plus imposant. On retrouve ça, bien sûr, dans différents personnages qui ont expliqué leurs mésaventures dans l'Antarctique et ainsi de suite. Je vous en ai déjà parlé. L'ami invisible, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est au moment où vous êtes complètement perdu, plus de nutrition, plus rien à manger, plus de cartes, vous êtes complètement paumé, on va dire ça comme ça. Et vous savez qu'à un moment donné, vous allez, hélas, mourir. Et puis tout d'un coup, il y a une force en vous, une énergie en vous, qui vous relance un dernier sursaut qu'on retrouve aussi en réalité dans les expériences de mort imminente, mais qui est pris en charge par d'autres événements que je ne vais pas citer aujourd'hui. Donc c'est vraiment ce chemin-là que j'ai pris. Et puis j'ai découvert donc que, hormis les personnages bibliques, où il y a beaucoup de citations et de phrases qui ont été mal comprises, on retrouve aussi des personnages historiques qui ont malheureusement eu, à un moment donné, un choc émotionnel très puissant, proche du coma, proche d'un état cataleptique, proche d'une expérience de mort imminente, et qui ont joué un rôle par la suite dans l'événement et l'histoire. Donc, pour prendre tout départ, il y existe des gens qui sont expérienceurs, qui à leur réveil sont un peu différents, ont une vision différente des choses. Ils sont moins accros au boulot, métro, d'auto, on en a déjà parlé. Et ils voient les choses un peu plus naturelles, les fleurs, le paysage, et ainsi de suite. Ils font attention un petit peu à ce qu'ils font. Les personnages qui ont joué un rôle dans l'histoire, un peu comme Churchill, quand il est tombé dans les escaliers, il y a eu donc tout un événement, il y a Hitler qui a été gazé, qui est passé dans un stade aussi d'état second, pour les citer, mais il y en a d'autres, comme De Vinci, comme Nostradamus, ou encore un des maîtres Reiki, un des maîtres fondateurs de Reiki, qui lui est véritablement passé par une expérience de mort imminente, et qui a perçu sur l'aspect des symboles qui peut communiquer par rapport aux énergies, n'a pas donné l'entièreté des informations. Pourquoi? Ben c'est très simple. C'est comme beaucoup de chercheurs dans les domaines de recherche spirituelle ou encore d'énergie qui survit, se rendent compte que leur croyance sur un aspect religieux, sur un aspect aussi politique, ou alors une imposition d'une croyance dans leur propre pays qui fait en sorte que ils ne peuvent pas aller plus loin, ils vont à l'encontre des idées politiques et religieuses, et ça pourrait entraîner des soucis pour eux ou également leur famille. Donc il y a aussi d'autres personnages, des prêtres, qui ont trouvé des choses intéressantes et qui ont parfois même changé leur vision spirituelle des choses, mais qui ont toujours été, je dirais, prudents sur ce qu'ils avaient découvert. Ce qui n'est pas mon cas. Donc cette théorie promouvoit donc, je dirais, sur les bases qui sont connues hein, dans beaucoup de domaines, au niveau du travail des énergies, au niveau de la science, au niveau spiritualité, on sait tous que nous sommes des émetteurs et récepteurs. Donc vous avez déjà entendu parler, l'homme est un émetteur et récepteur, il produit. On retrouve ça aussi dans le cadre de phénomènes de télépathie qui sont encore à étudier. On ne sait pas encore véritablement ce que le cerveau peut emmagasiner comme information ou peut produire comme information. Sur l'aspect médical, on sait que le cerveau est, je dirais, limité dans l'acceptation d'informations qui crée par destruction de cellules, etc., le fameux Alzheimer. On ne sait pas trop non plus s'il y a des facteurs extérieurs qui influencent la nutrition, la mauvaise gestion au niveau physique et mental. C'est pour ça que j'ai beaucoup fait de travail, vous le savez pour certains, sur la convergence esprit-corps, la maintenance du corps et de l'esprit. Ça rentre aussi dans les cadres des divers métiers que j'ai fait sur l'aspect sportif, la résistance au stress, la résistance mentale, physique. Que ce soit dans les entreprises, à l'armée, dans les salles de sport, sur la formation Reiki, sur tout ce qui est magnétisme. Donc, grosso modo, sur ce bagage-là qui a été fait sur, je crois que j'ai commencé en 78 sur le travail des énergies. Et dans les années 84, c'est là que j'ai pu tout doucement, 82-84, rencontrer des gens.
J'ai perdu un peu leurs noms, qui ont travaillé énormément sur le magnétisme, qui ont même fait comment dirais-je, des livres, qui sont malheureusement décédés maintenant, d'autres qui ont pris d'autres chemins. Et petit à petit, moi, la théorie que j'ai aimée, donc j'explique, est pratiquement unique pour l'instant. Évidemment, je ne vous le cache pas, si je fais encore les vidéos maintenant, c'est parce que j'ai des preuves, évidemment, bien sûr. Mais il y a tout un temps. Les preuves que je mets, c'est vrai que je mets aussi, avec l'équipe, hein, je ne suis pas tout seul, attention, sur la vidéo, oui, mais je mets aussi des détails sur la page Les chroniques d'une expérience de mort imminente. Elles sont toutes en relation, en fait, avec les expériences de mort imminente. Mais il faut vraiment bien judicieusement regarder les dates, regarder les phénomènes et ainsi de suite. Un peu, par exemple, comme le virus, quand je vous ai dit qu'il ne serait pas tout seul, qu'il y en a d'autres, c'est parce que j'étais certain de mon coup en sachant qu'il y a eu d'autres facteurs qui n'ont pas été expliqués au public. Je reprends par exemple aussi le public est toujours, ou même les chercheurs dans le public et non militaire, sont souvent en retard en réalité, hein. Quand vous avez par exemple la conquête de l'espace dans les années, on va dire pardon, 69-70, on a utilisé un GPS pour un module lunaire rejoindre un autre, vu que c'était aussi bien sûr travaillé manuellement. Mais on avait déjà créé, je crois, dans les années 50-60, dans ces eaux-là, déjà des GPS, bon, évidemment moins développés qu'actuels, mais avaient déjà leur performance pour des missions. Importante, si je peux dire comme ça. Il y a aussi des techniques et des développements, je dirais, de technologie à cette époque-là, où on voulait déjà mettre un personnage sur la Lune, pour ceux qui y croient ou qui n'y croient pas, mais on avait déjà un programme pour mettre des militaires dans l'espace. Donc il y avait déjà tout un travail d'idées où le chercheur civil ou le peuple est fixé uniquement sur l'arrivée d'un personnage sur la Lune. Il ne voit pas le reste, évidemment. C'est un petit peu le cas actuel avec le virus. On sait que le virus est présent, qu'il y en a d'autres qui s'ouvrent un peu comme des fleurs, des pâquerettes. Mais il faut faire oublier au public, évidemment, que derrière tout ça, il y a quand même une forme de mort qui peut s'instaurer. Et donc, on va essayer d'un petit peu focaliser l'attention des gens au départ, déconfinement, etc., etc. Et puis, on va les orienter sur d'autres choses qui font parler le mystère ou des choses politiques, que ce soit un mystère avec, je ne sais pas moi, le monstre du Loch Ness, les nouveaux extraterrestres, les ovnis, le racisme, le vautrage, donc. Tout ça est une amalgame qui permet évidemment de faire oublier la finalité d'un virus qui peut tuer n'importe qui à n'importe quel moment. Donc ça, c'est déjà flagrant, il suffit de le prendre conscience. Et j'ouvrirai cette parenthèse dans le cadre du phénomène qui est actuellement au niveau du racisme. Je n'en ferai pas le procès évidemment, mais c'est une bonne chose si le racisme est aboli, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on peut être blanc, noir, jaune, vert, rouge ou tout ce que vous voulez. La pensée est unique. Nous avons tous un corps qui gère une pensée personnelle et voire même communautaire. Elle est souvent dirigée, contrôlée par des croyances, par l'argent, par ci, par là. Mais ce n'est qu'un travail, je vais dire, judicieux, pratiquement géopolitique, ou bien encadré de manière à ce qu'on puisse diviser, évidemment, pour mieux régner. Moi, ce que j'ai compris, et je terminerai par là, c'est clair, ce que j'ai compris avec l'acte qui s'est fait, où malheureusement une personne qui a été interpellée est décédée, il faut savoir que la méthode d'interpellation, parfois due à l'adrénaline, l'énervement, ou encore, je dirais, une intervention, enfin on peut faire une intervention, ça fait des semaines qu'on n'a rien foutu, on a fait de la vigilance, de la prévention, ce qui est tout à fait normal, c'est comme ça que ça marche, et tant mieux, mais parfois on se dit, bah, une intervention, voilà, il y a quand même quelque chose qu'on justifie, qu'on est présent, malheureusement ça a mal tourné.
Ça m'est déjà arrivé, vous le savez, dans le cadre de la sécurité, des interventions dans les hôpitaux, dans les urgences, enfin un peu partout. Je connais ce phénomène-là. Donc, on est stressé, on essaye de faire du mieux qu'on peut, on est violent, il y a l'adrénaline, il y a l'événement, et parfois, malheureusement, on oublie un détail et on étouffe la personne, et ainsi de suite. Ça arrive. Donc, ça ne justifie pas l'acte en lui-même, évidemment. Parce qu'il y a comme un mort d'homme, donc il y a là une forme de bavure, mais je comprends très bien et il faut retravailler le principe d'intervention. Le souci, c'est que nous avons deux choses contre nous. La première, c'est que il faut montrer que la police peut intervenir violemment si jamais il y a un reconfinement ou un déconfinement, ou qu'on réalise que certains médias ont dit des choses fausses, ou des choses qu'ils ne peuvent pas dominer, qu'il y a des résultats négatifs et beaucoup de morts, des révoltes après, des marches. On sait que la police intervient beaucoup plus violemment, et donc là, on joue encore une fois sur la peur de l'individu. La deuxième chose, et c'est celle qui m'inquiète le plus, c'est, pour terminer sur ce virus, si on trouve évidemment un vaccin, il faut quand même investir beaucoup d'argent. Donc, à ce moment-là, je dirais plutôt... je vais rehausser mon micro. On va essayer donc de financer beaucoup de choses et cet argent va certainement se brasser à des milliards et des milliards et des milliards. Alors, l'objectif évidemment, dès qu'on a trouvé ce vaccin, c'est de pouvoir l'offrir à tous les peuples pratiquement gratuitement, ce qui est tout à fait logique et humanitaire. Le problème, c'est qu'il y a toujours cette histoire d'argent, de dette, d'investissement, et il y aurait ce risque d'avoir en priorité les pays riches ou, je dirais, ou induits dans l'Europe, ou que sais-je, qui pourraient demander une participation financière au peuple, ou de rétribuer par rapport à des taxes ou je ne sais pas. Bref, on pourrait donc privilégier, si je peux dire, les pays qui ont des contrats signés, qui sont, je dirais, associés à la conquête de l'espace. On sait que la Belgique y est, on sait que la France, nanani, nanana, je ne vais pas détailler. Mais on sait aussi que des peuples comme au Congo, comme en Afrique et ainsi de suite, l'ancien Congo, pardon, l'Afrique et tout, sont un pays au niveau finance, je dirais qu'il y a, je dirais probablement deux poids, deux mesures. Ce qui veut dire que les premiers pays riches qui sont à payer seraient les premiers servis, mais ceux qui ont poussé à l'élimination du racisme, et c'est un cas intéressant, et c'est une très bonne idée, évidemment, on pourra quand même avancer sur certains plans, eh bien, vont se retrouver en porte-à-faux. Parce qu'ils n'auront peut-être pas les contrats signés, ils n'auront peut-être pas non plus la somme qui est répartie au niveau du peuple, et il y aura une indépendance certifiée, mais se retrouveront un petit peu derrière la charrette. Et là, il y a un risque évidemment de contamination dans un pays qui a demandé son indépendance et qui est largement en droit de le demander. Mais sur le plan financement, sur le plan pécuniaire, je vais dire, sur le plan des finances, a une difficulté évidemment parce qu'elle doit relancer un petit peu tout le système économique et ainsi de suite. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a parfois des actes qui agissent sur l'histoire et on va mettre des leviers évidemment pour accentuer cette histoire. On parle de Léopold II, on parle de ci, on parle de là. C'est un peu comme la guerre, quand il y a eu les camps de concentration, c'est seulement maintenant que l'Allemagne rembourse. Voilà. Donc il y a toute une des détails qui jouent, qu'on ne le voit pas, mais c'est une forme de manipulation, je dirais plutôt un programme qui a été fait il y a très 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 longtemps, des milliers d'années, où nous ne serions pas prêts à comprendre ce système-là, mais c'est associé avec la pensée, que je disais, unique. Alors, je reviens sur le cas des expériences de mort imminente. Voilà, je règle encore mon micro. Eh bien, donc j'ai pris un chemin complètement différent. Et je suis content parce que, il y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler les vidéos, les discussions sur Internet,
Beaucoup se sont dit, qu'est-ce qu'il raconte? Ça reste pas dans le cadre des expériences de mort imminente. Et puis, j'ai eu des écrivains qui m'ont contacté, des gens qui font ci, qui font là. Et j'expliquais tout simplement que, pour ma part, c'était une théorie que j'étais certain de ma théorie, évidemment. Et surtout maintenant, à l'heure actuelle, vu que j'ai pu voir et entendre certains mots intéressants. Donc, il y a 5-6 ans d'ici, plus ou moins, il y avait des gens qui disaient, nous, on ne suit pas ce truc. Et puis, curieusement, des chercheurs, des scientifiques, des écrivains sont venus vers moi les dernières années et se sont rendus compte qu'il y avait quand même quelque chose, à prendre peut-être, ou à copier, ou à travailler, je ne sais pas. C'est pas dans ma tasse de thé. Mais on a découvert, donc, découvrir, pardon, que l'être humain est un émetteur-récepteur, autant sur le temps de vie que sur le temps où le système non organique s'éteint. Donc le système organique s'éteint, donc le corps. Donc ça, c'est intéressant à travailler. Alors, on m'a demandé après de faire une grande vidéo, une émission, patati patata, ça ne m'intéresse pas du tout. Et donc je me suis dit, peut-être que je vais faire des petites vidéos comme celle-ci pour expliquer tout mon chemin. Alors ce que j'ai rencontré, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu, patati patata, il y a beaucoup à dire. Et ça, ce serait des petites vidéos qui viendraient étayer et authentifier une émission future que j'ai eu l'occasion de recevoir comme invitation. Et là, je vais y associer un ensemble de choses, mais avec une preuve. Donc, j'aurai probablement quelqu'un qui va venir, et je ne sais pas à quel moment, et qui va lui pouvoir prouver ma théorie. Et ça, ce sera intéressant, ce sera pratiquement une finalité. Alors, voilà, je vais terminer la vidéo par ceci. Donc, je vous donne rendez-vous en temps et en heure, comme on dit chez nous, pour vous pouvoir vous donner les débuts, donc dans les années 80, donc les années 70, les années 80, les années 90 et les années 2000, et vous expliquer le chemin que j'ai pris, ce qui n'a pas été toujours facile. Parce que quand vous n'allez pas dans le sens basique des choses, que ce soit sur un aspect des expériences de mort imminente, sur un aspect spirituel, énergétique ou thérapeutique, évidemment, on va essayer tout doucement d'évincer vos travaux. Le tout, c'est toujours de garder l'optique de votre théorie et de suivre par synchronicité aussi et les détails de l'histoire qui confirme très souvent les découvertes. Voilà. Alors j'espère que j'ai rien oublié. Je vous souhaite une bonne après-midi, hein, vu que la vidéo est faite cet après-midi. Et je vous donne rendez-vous très bientôt sur les chroniques d'une expérience de mort imminente. Donc rassurez-vous, pour ceux qui n'ont pas compris, cette page est unique, ça on le sait, elle est unique. Et elle est en relation avec le réchauffement climatique, avec les expériences de mort imminente. Elles sont fusionnées avec une troisième chose que je ne citerai pas actuellement, évidemment. Voilà. À très bientôt et encore merci de m'avoir écouté, bien sûr. Portez-vous bien.